Le duc et la duchesse avaient été invités à rencontrer Sa Majesté en 2020, seulement pour que l'arrangement soit annulé. Le prince Harry et Meghan ont été invités à rencontrer la reine Elisabeth II uniquement pour faire annuler la réunion, la reine aurait déclaré. On m'a dit que je suis occupé toute la semaine. La série controversée Netflix Harry Meghan du duc et de la duchesse de Sussex a révélé que la reine Elisabeth II avait invité le couple à prendre le thé avec elle. Seulement pour que l'arrangement soit annulé. Les détails ont commencé avec le voyage initial du couple à Vancouver et le prince Harry discutant de leur plan ultérieur de déménager au Canada en janvier 2020. Le prince Harry déclare dans le documentaire. Avant de partir, pour le Canada, j'ai également parlé à ma grand-mère et lui ai dit que nous revenions le 6, et j'aimerais venir et venir vous voir. Elle, la reine, savait que nous trouvions les choses difficiles. Je lui en avais parlé plusieurs fois. Elle m'a dit qu'elle n'avait rien de prévu pour la semaine. Elle a dit, eh bien, pourquoi ne montes-tu pas? Tu peux prendre le thé, mais pourquoi ne restes-tu pas la nuit, toi et Meghan? Meghan reprend ensuite l'histoire en disant, nous revenons donc directement de Vancouver à Heathrow. Et juste au moment où nous montons dans l'avion et ce message urgent et urgent arrive à Ash disant, vous n'êtes pas autorisé à aller voir Sa Majesté. Assurez-vous que votre principal est au courant, il ne peut pas aller la voir. Elle est occupée. Elle a des projets toute la semaine. Harry dit alors. Et j'étais comme. C'est certainement le contraire de ce qu'elle m'avait dit. Une fois de retour au Royaume-Uni, je l'ai appelé et lui ai dit. On m'a dit que tu étais occupé. Ta o tu le salita.